Détroit, 2038. Un monde robotisé où les androïdes prennent une place importante dans la vie de l'homme. Où les humains ne sont plus comme avant, physiquement comme mentalement. Devancé par toutes ces machines supérieures en tout point. L'homme devient assisté, feignant, incapable de choisir ou non s'il est d'accord avec la mondialisation 2.0 qui se développe juste sous son nez. Le seul point de supériorité de l'homme sur la machine est, d'après ce que nous disent les soi-disant experts, le programme. Un androïde est censé suivre un programme et ne répondre qu'à celui-ci, ne dévier en aucun cas ce dernier. Suite à quoi, évidemment, de premiers cas commencent à se rebeller. On découvre finalement que ces machines ne sont pas si passives que ce qu'on pensait. Et c'est là que les choix vous viennent. Quel serait votre comportement vis-à-vis de ce monde si vous aviez presque toutes les cartes en main ? Détroit Become Human, un jeu si fort, si particulier. On se retrouve donc en 2038 à Détroit, comme dit dans l'intro, dans un futur inondé par la robotisation. Robots, androïdes, technologies avancées ont toutes été créées dans le but de satisfaire les besoins humains pour que l'homme ait toujours une vie plus facile. Un monde robotisé de A à Z où les androïdes commencent tout doucement à effrayer la population suite à certains faits divers causés par des déviants. Les déviants sont des androïdes, des robots à l'apparence humaine qui, suite à certains événements choquants, commencent à ne plus répondre à leur programme. Ils commencent à développer une conscience, ils commencent à développer des sentiments, enfin bref, ils commencent à devenir humains. Mais c'est un sujet que les forces de l'ordre et le gouvernement essaient d'ignorer, car les humains ne pensent pas et ne veulent pas accepter le fait que les androïdes développent bel et bien une conscience, et que ces derniers sont sensibles aux actes et actions des humains. De plus, les humains ne sont pas pour une cohabitation avec les androïdes. Et, un peu comme dans notre monde, les robots occupent une place importante dans le monde du travail et remplacent donc un certain nombre de postes occupés auparavant par des humains qui se sont malheureusement vus remplacés. Bon, maintenant que vous avez le cadre, parlons un peu des personnages. On incarne dans ce jeu 3 personnages et le switch se fait automatiquement. Le switch se fait d'une mission à une autre. 3 personnages destinés à faire des tâches différentes et 3 personnages d'un entourage différent. Le premier androïde se nomme Kara. Kara était un androïde de maison d'apparence féminine, mais suite à un événement dont on ignore les faits, elle fut réinitialisée par l'entreprise CyberLife. CyberLife, c'est la chaîne à l'origine de tous les androïdes sur le marché à Détroit. Suite à quoi, Todd, l'humain à qui appartient Kara, vient la récupérer une fois celle-ci réinitialisée. Todd vit avec sa fille Alice dans des conditions de vie assez crades. Kara s'occupe donc ici des tâches ménagères et commence petit à petit à essayer de comprendre ce qui ne va pas entre Alice et elle. Car Alice essaye de garder une certaine distance avec Kara. Pour coller un maximum à l'ambiance, déjà bien glauque, Todd, en bon alcoolique qu'il est, bat sa fille. De plus, il se met à avoir des pics de colère, des fois très étranges. On se demande vraiment comment cette famille en est arrivée ici. Et c'est là tout le mystère de Kara. On émet nos propres théories et au fil du temps que le jeu passe, des indices nous sont donnés. Ce qui fait qu'on essaye à chaque fois de peaufiner notre théorie sans pour autant être sûr à 100% de ce qu'on affirme. En tout cas, le fil du jeu nous en apprend vraiment plus sur Todd, comme le fait que sa femme l'est lâché. Et c'est pourquoi Todd succomba à l'achat d'androïdes, ce pourquoi il n'était pas forcément favorable auparavant. Alice, je le rappelle, ne vit pas dans les meilleures conditions, et c'est Kara qui va s'occuper lors d'une dispute un peu trop virulente de s'interposer entre Alice et Todd. Et c'est d'ailleurs cet événement qui fit de Kara une déviante. Le mystère qui tourne autour de ces personnages est déjà une bonne chose d'entamer. Maintenant, parlons un peu du côté narratif. Ici, le jeu nous laisse l'émerveillement de faire nos choix, et c'est quelque chose que je trouve de vraiment nécessaire dans certaines histoires. Alors je dis pas que c'est dans toutes les histoires qu'on devrait avoir des jeux à choix, mais je trouve quand même que c'est sympa d'avoir une certaine forme de liberté. Et puis c'est vrai que ça freine souvent un second opus, le fait d'avoir des choix. Alors certaines licences le font très bien, par exemple Life is Strange a fait un épisode 2, a fait un épisode 3, a fait même un spin-off, et franchement ça s'est super bien passé. Mais c'est vrai que les choix seront forcément moins impactants, ils seront un peu plus fragiles, on va dire. Et donc du coup, le fait d'avoir un jeu à choix, souvent ça freine un deuxième opus. Ici, néanmoins, on a une quantité importante de choix à faire, des choix dérisoires comme importants, et on sent que la moindre erreur peut causer de gros dégâts à notre histoire. Les QTE, par exemple, sont des erreurs imprévues qui peuvent survenir sans même qu'on les ait voulu. Un point important dans certains jeux narratifs, c'est la mort des personnages. Certains nous laissent le choix pur de prendre ou non la vie d'un personnage, que l'on pourrait qualifier comme secondaire, mais dans Détroit Become Human, ce sont les personnages principaux qui peuvent être touchés. Et oui, c'est-à-dire que des fois, les personnages incarnés n'entraînent pas une mort bête où on perd juste et on respawn une seconde après, car ici, quand un personnage meurt, il meurt pour de vrai. L'histoire est affectée par la mort des personnages qui, suite à leur disparition, ne font plus partie de l'histoire, logiquement. Bye bye, finito quoi. Ce qui permet notamment de finir le jeu assez rapidement. Et c'est là toute la force de ce jeu, le talent incroyable de Quantic Dream d'avoir pu laisser aux joueurs une immensité de manières d'opérer. Car au-delà des choix écrits, on peut volontairement faire mourir un personnage pour découvrir un nouveau scénario, affecté par la mort d'un personnage qui, normalement, est essentiel. Kara peut donc devenir déviante et ainsi se positionner et
essayer de s'en sortir puisque les déviants développent une conscience dans ce monde qui devient de plus en plus dangereux pour les déviants. Enfin, elle développe pas une conscience à proprement parler, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Elle part avec Alice et toutes deux vont partir essayer de trouver leur bonheur dans ce monde. Direction le Canada, plus exactement, étant donné que les déviants y sont nettement plus en sécurité. Le deuxième androïde que l'on incarne a été baptisé par l'entreprise CyberLife, Connor. Connor est un androïde chargé des enquêtes sur les déviants. C'est un prototype avancé qui est donc une pièce importante de l'entreprise CyberLife. Il est donc logique que cet androïde, dernière technologie, soit mis au service des forces de l'ordre. Contrairement à Kara et aux autres androïdes, étant donné son importance, quand Connor est détruit, il est remis sur pied par CyberLife suite à un téléversement de son programme. Ses actions ne sont pourtant pas sans conséquences puisque cela cause l'augmentation de l'instabilisation de son logiciel. Une autre particularité avec le personnage de Connor est qu'il se retrouve souvent à échanger avec une certaine Amanda pour parler de ses missions. Connor aura donc le devoir de s'occuper d'enquêtes liées aux déviants. Il sera d'ailleurs durant toutes ces enquêtes accompagné par un humain du nom de Hank Anderson. Hank est un homme assez caractériel, donc durant toute l'histoire, on va devoir entretenir notre relation avec lui, de manière à ce que Hank vous déteste ou se mette à vous apprécier si vous vous mettez à aller dans son sens. Hank est un personnage vraiment intéressant, on sent que le personnage a été travaillé car ce personnage a un passé, et c'est d'ailleurs l'une des méthodes qu'on peut utiliser pour essayer de se rapprocher de lui. Par exemple, les indices que l'on récupérera chez lui joueront un rôle dans de futurs choix. Sinon, au début de l'histoire, on sait que Connor est un androïde, mais ce qu'on sait moins, c'est qui est à l'origine des androïdes. La réponse se nomme Kamsky. Kamsky est un diplômé en IA, et c'est lui qui a seulement 16 ans fonde CyberLife. Il s'installe ensuite à Détroit et y consacre son temps à l'élaboration d'un androïde domestique intelligent. Et c'est suite à la création de deux incroyables découvertes que ses efforts vont enfin porter ses fruits. Et ses fameux mes inventions sont le sang bleu et les biocomposants. Il crée suite à cela une androïde du nom de Chloé qui stupéfia le monde en passant plusieurs tests publiquement. Kamsky était donc un génie et il a décidé de rendre hommage d'une certaine manière à son professeur à l'université et ce personnage c'était Amanda. Oui, c'est bien la personne avec qui Connor s'entretient sur ses missions. Ce qui est assez bizarre d'ailleurs parce que Amanda cherche à faire garder sa foi d'androïde à Connor alors que Kamsky lui a programmé l'inverse. Car oui, si les androïdes ne peuvent pas, au cours de leur vie, développer une conscience à proprement parler, et ainsi devenir, comme par magie, des déviants, ce n'est pas par le hasard, mais bien le créateur qui a décidé de cela. Il a décidé de créer de nouveaux êtres, dotés d'une âme, du libre arbitre, et du savoir aimer. Connor va d'ailleurs faire la rencontre de Kamsky, qui aujourd'hui s'est éloigné de toutes ses histoires. Hank et Connor ont rendu visite à Kamsky afin d'essayer de comprendre les déviants. Et pour répondre à ça, Kamsky va confronter Connor à un choix compliqué. Le choix de tuer ou non le premier modèle androïde de Kamsky, ce qui vous permettra de soit faire preuve d'égoïsme, soit faire preuve de compassion. Et pour finir cette liste, on va parler du dernier des personnages jouables. Et ce fameux dernier personnage se nomme Marcus. Marcus est au début de l'histoire un androïde de maison au service d'un vieil homme appelé Karl. Ce Karl est un artiste peintre. Malheureusement pour lui, ce dernier a perdu l'usage de ses jambes. C'est pourquoi Marcus lui est d'une grande utilité. Un peu comme s'il était son fils, car son vrai fils biologique est assez spécial. Ce fils n'a aucune attache pour son père, mais comme Karl est une personne plutôt aisée, son fils, Léo, profite de l'argent de son père et sans pour autant qu'il soit présent personnellement pour son paternel. Karl est un personnage rempli de bienveillance. Durant tout son temps passé avec Marcus, il n'a pas cessé de le traiter comme son égal et faire abstraction de leur différence humain-androïde, tout en lui disant que les androïdes sont plus forts que les humains car ils savent ce qu'est l'entraide et ainsi faire preuve d'altruisme plutôt que d'être purement égoïste. Son art lui a sûrement permis d'appréhender l'inconnu non pas comme une tare mais plutôt comme une chance de pouvoir partager son art avec d'autres personnes que ces androïdes devenus trop refermés sur eux-mêmes depuis l'arrivée des androïdes. Et ainsi, il a fait découvrir son art à Marcus, non pas en lui demandant de reproduire ses œuvres à l'identique, mais en faisant appel à son imagination, car Karl avait compris que les androïdes étaient non seulement dotés de capacités physiques hors du commun, leur permettant ainsi de reproduire n'importe quelle chose de manière spectaculaire et inimaginable, mais également dotés du savoir réfléchir. Et on en revient encore à la conscience, à cette capacité permettant aux androïdes d'avoir des émotions et d'avoir un avis sur le monde qui les entoure. Comme déjà dit, des humains finalement. Et c'est là toute la beauté du personnage qu'est Karl. Car il ne voit pas simplement les androïdes comme de simples machines. Il arrive à trouver du bon dans ce que les autres voient comme mauvais. Un peu à la manière de Hank finalement.
Pour faire court, suite à une querelle entre Léo et Karl, où Marcus est au cœur du débat, Marcus va au terme de cette dispute se retrouver dans une décharge. Et la particularité de cette décharge est qu'elle n'est remplie que de carcasses d'androïdes. Ce qui nous fait vivre à ce moment-là une sorte de scène d'horreur dans laquelle on voit des membres d'androïdes un peu partout. Et étant donné leur forme humaine, il y a vraiment une ambiance glauque qui se dégage de cette décharge. Marcus devient ensuite membre d'un groupe d'androïdes nommé Jericho. Ce groupe est un rassemblement d'androïdes qui se dit libre, mais bon, la liberté, comme ils l'entendent, à certaines limites. Et oui, car pour eux, la liberté se résume à simplement ne plus être aux ordres des humains. Mais le problème, c'est qu'ils se cachent. Ils ne sont pas réellement libres puisqu'ils ont peur des intervenants extérieurs. Et c'est Marcus qui va changer tout ça en leur donnant envie de découvrir la vraie liberté. C'est donc suite à la venue de Marcus que le groupe Jericho se révèle au monde extérieur en engageant leur manifestation de plusieurs manières. Mais on notera surtout le speech de Marcus au JT de Détroit où il se montra pour la première fois pour envoyer un message à la population. Soit de manière pacifique, soit de manière agressive. Et ceci est le début d'une traversée dans laquelle vous aurez ces deux choix d'agissement qui seront déterminés lors des dernières minutes du jeu. Et c'est vers cette fin que l'on se rend compte que le jeu nous permet pas simplement de prendre des choix très peu importants comme c'est souvent le cas dans d'autres jeux, car ici on le remarque dès les premiers instants, lorsque nos trois androïdes parlent avec leur entourage, il y a soit un climat de confiance qui s'installe, soit l'inverse. Et malgré ce que l'on pourrait penser, la confiance d'un certain personnage va vous permettre de vraiment pouvoir débloquer différentes manières de finir ce jeu. Donc narrativement, c'est réussi. Mais le jeu est aussi très beau dans son fond. Car on a pu découvrir des personnages incroyablement touchants, comme Hank, qui, malgré son passé compliqué causé par un androïde, a su, après un certain temps d'adaptation certes, apprécier Connor. Ou encore Karl, qui arrive à trouver la lumière chez les androïdes, là où les autres ne voient que l'ombre de cette lumière. Et mine de rien, ces personnages sont très importants, ils sont même essentiels au déroulement de l'histoire. Ils poussent le joueur à jeter un œil dans les finesses du jeu. Après, j'avoue, il est vrai que le gameplay n'est pas ce qu'il y a de plus attractif. Certes, les QTE peuvent s'avérer difficiles par moments, et donc vous bougez un peu, mais le jeu est quand même vachement lent. Mais je ne trouve pas que ce soit un trop gros défaut. Certes, il y a plusieurs fois où je trouvais vraiment le jeu mou, et je croyais que jamais le jeu ne se manifesterait. Mais en même temps, imposer cette lenteur permet aussi d'admirer le magnifique paysage qui nous est donné. Car oui, Détroit, dans le futur, j'avoue que ça claque. J'ai vraiment été fasciné par la beauté visuelle de ce jeu. J'ai du mal à croire que ce jeu tourne sur une console sortie en 2013. Il y a, c'est vrai, à certains moments, quelques baisses de frame, mais rien de bien dérangeant pour ma part. Et puis si le gameplay est aussi restrictif, c'est aussi pour laisser plus de place à l'histoire que le jeu raconte, une histoire bien trop sous-cotée à mon sens. Ça fait des années que Quantic Dream sort des pépites de narration, comme on a pu le voir avec Heavy Rain en 2010 ou encore avec Beyond Two Souls en 2013, et il serait débile de dire que ce jeu ne soit pas à la hauteur de ces deux autres histoires. On est vraiment pris dans une histoire touchante, remplie d'émotions, où les androïdes essayent tant bien que mal de se faire une place dans un monde qui ne leur est pas favorable. On a l'impression qu'ils sont en train de vivre leur ségrégation. Et on ne se sent passif à aucun moment, le jeu nous harcèle de QTE à certains moments, ce qui m'a rendu bien plus éveillé que quand je regarde un film ou une série. Je me suis senti réellement impliqué dans cette histoire, et émotionnellement, tous ces choix, et bah ça fonctionne bien. Je suis passé par toutes sortes de sentiments, je m'en suis parfois voulu de ne pas avoir fait le bon choix, et en même temps, ces mauvais choix ne font que rendre meilleurs les bons. On n'est pas seulement spectateur dans cette histoire, à contrario d'un film ou d'une série. Le jeu vidéo nous permet de voir tout ce que nos personnages voient, et Détroit nous permet même de choisir le chemin à emprunter. Malgré la tendance très linéaire de cet opus, les choix qui nous sont donnés nous donnent l'illusion d'avoir le destin de Kara, Connor et Marcus entre nos mains. On est impliqué dans cette histoire, nous sommes les seuls responsables de nos actes. C'est le style du jeu qui veut ça. Cette histoire construite autour de l'effet papillon reflète à merveille les œuvres du genre, qui paraissent difficilement faisables dans n'importe quelle autre forme d'art. Puis tout ça dans une représentation plausible de notre futur, on est libre aujourd'hui d'imaginer ce qui pourrait se passer dans quelques années, ce qui rend l'univers fascinant. Cet univers relève de réelles problématiques, dont on se sent concerné, impacté par cette tendance narrative qui nous pousse à se plonger dans le monde de ce jeu. Et comment ne pas être touché émotionnellement par le contexte, les personnages, l'époque, le genre, la bande-son, le paysage, le level design, la morale. Tout ça en étant simplement manette à la main, incarnant et contemplant un tel chef-d'œuvre.